Yeah. Oui. En direct des studios live, recevez maintenant The Bachelor, Willy Tombo. Hey, salut les amis, c'est bon. Quoi à faire des bâches. Et les esprits, ça va ou pas? Merci, quel plaisir de vous retrouver ici en ce beau lundi. Passé par des moments difficiles, il a acquis aujourd'hui une notoriété nationale et internationale qu'il met sur le compte de la grâce divine. Depuis, il a dédié sa vie à rendre gloire à Dieu. À l'occasion de ses 20 ans de carrière, il prévoit deux grands concerts au mois de novembre prochain. Il sera en notre compagnie ici pour nous donner plus de détails sur cette célébration-là. Avant l'arrivée de Nestor David, Apoutchou Sans Filtre nous conduira auprès des transporteurs pour avoir des explications sur le manque de petites monnaies. Ouais. En attendant donc de suivre Fabrice Indé sur les traces de la monnaie, je vous rappelle que pour un midi réussi, il nous faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dumbo et Né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT Midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Yep. Bonjour et bienvenue, la famille. Allez, pour démarrer une nouvelle semaine, bien sûr, il faut régler cette dette à l'ancienne. Dans quelques instants seulement, on va accueillir donc le gagnant de la cagnotte de la semaine dernière. Restez connectés en tout cas. Vous aussi, vous pouvez gagner. Et pour cela donc, appelez dès maintenant au 27 22 54 98 50 ou au 27 22 54 98 51 et tentez bien sûr de gagner et de deviner d'abord hein, ce qui se cache dans ma boîte magique. Et ce lundi là, dans la cagnotte, elle revient à zéro. Mais comme on n'est pas méchant, on l'a mis à 50. Voilà, 50 000. Allez, ce sera avec notre très cher Landry Blessing. Wouh! Oui! 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 Levez! On va boire tout le monde, oui! Oui! Si tu connais, il faut crier! Oui! Si tu as joué, il faut crier! Oui! Je voyais, j'ai quitté Amara! Oui! Je voyais, Yohane, Yohane, Christelle, et joyeux anniversaire. Oui, allez taper dedans, c'est bravo, non. Kemana, qui va vous la mana, iriche. Oui, taper dedans, la brigue dans la mayo. Oh, le million, million de panam. Oh, lélé, n'allez l'île pas chauffer. Oh, lélé, n'allez l'île pas chauffer. Allez, boyan, yao, bienvenue. Je t'aime, Katale, yo. Allez, mon niki broko, allez, Priska, manager. Allez, bonjour, maman. Bon, je m'en ai l'autre, je vais singer avant, je vais faire les mélodies, je vais faire les mélodies, je vais faire crier là-bas, oui. Si t'es content, va crier là-bas, oui. Simba, oui, on a, t'as peur là. Yalala, maman, ouh. Oh, yeah, yena. Oh, Christina, yo. Allez, t'as la vie, soko, madala, qui makalakamana. Crier là-bas, oui. Oui. Ah, crier là-bas, oui. Oui. Simba, yo. Allez, Katanga, Yamula, allez, voilà, Oui.
Oui. Oui, oui. Semaine, oui. Allez. Amour, amour. Il s'appelle Christian. Christian, joli garçon. Allez, Lodi, Lodi. Il y a un membre de bloqué. Oui. Oui. Alors, bonjour, Chris de Dabou. Comment ça va, Chris? Oui, ça va bien. Ça va, Chris de Dabou? Chris de Dabou fait quoi dans la vie? Ouais, je suis étudiant. Étudiant en quoi, Chris? En architecture d'intérieur. Architecture d'intérieur, waouh, bravo, c'est beau ça. Alors, Chris, étudiant en architecture d'intérieur, tu es de Dabou, ouais. Je te donne l'indice. Tu es le premier à découvrir l'indice pour cette nouvelle semaine-là. Allez, l'indice, c'est maniable, maniable, maniable. Tu penses à quoi? Maniable. Ouais, maniable. Tu penses à quoi? Un stylo. Un stylo? Ouais. Ben malheureusement, moi, j'ai pas besoin d'utiliser un stylo parce que tout est, voilà, été tiré à l'ordinateur, là. Dommage. Merci. Ouais. Bonne journée. Allez, crier de joie. Bonjour, monsieur Diomandé de Boisquet. On applaudit pour la ville de Boisquet, s'il vous plaît, le Boisquet. Monsieur Diomandé, comment ça va? Allô, monsieur Diomandé, ouais, ça va bien? Vous nous appelez de la belle ville. Oui, voilà, vous nous appelez de Boisquet, monsieur Diomandé. On vous écoute, vous faites quoi dans la vie, monsieur Diomandé? Vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiant. Étudiant en quoi? En RHCOM. En RHCOM, très bien. Étudiant en RHCOM, monsieur Diomandé. Dites-nous, vous pensez à quoi? Je vous donne l'indice. Maniable. Pensez à quoi, monsieur Diomandé? Maniable, l'indice. Maniable. Ouais. Je pense au jeu des enfants. Vous pensez au jeu des enfants? Quel jeu des enfants? Dites-moi. Mouvement des enfants? Jeu des enfants où il y a des petits. Ah, vous voulez parler de Lego? Exactement. Non, poteau, c'est pas ça. Désolé. Oui, je me Wesley. MGF, gentil. On te boya poua poua. Y'a que le commandant qui va gagner, binami yo yo. Abime, yo blo. Oh yo, moussa, ça n'a pas. On te boya, oh oh oh. Bansé, bansé, salive, crikindi, poua poua. Allez, bonjour à vous, Sylvain de Corogo, comment ça va? Allô, bonjour, monsieur Louis Dambo. Bonjour, monsieur Sylvain de Corogo, vous nous appelez de la magnifique ville du Poro, la cité du Poro, on applaudit pour vous, s'il vous plaît. Bonjour, mon ouais, monsieur Réunion. Oui, d'accord, monsieur Sylvain, vous faites quoi dans la vie, dites-nous. Je suis un élève. Élève, en quelle classe, Sylvain? Je suis en première E. En première E. D'accord. Oui, en première A2. Ah d'accord, première A2, d'accord. Je vous donne l'indice du jour. L'indice du jour, c'est le suivant, c'est maniable. Vous pensez à quoi? Il y a 50 000 francs à remporter, s'il vous plaît. Vous pensez à quoi? Je suis un élève. Je sais, vous êtes élève. Première A2. Oui, je sais. Maintenant, Yedio, il y a quoi dans ma boîte? Oui, A2. Bon, d'accord, ok. Oui! C'est parce que vous n'avez pas diminué le volume de votre télé, désolé. Merci, bisous, au revoir. Si ma mère veut vous là, oui, oui, a crié là-bas, oui, oui, ma mère, oui, quand tu crées la chambre, oui, oui, pour crier des joueurs, oui, ma mère, oui, ça me bamba, oui, elle veut sauter, oui, oui, en habile, oui, allez, crie les mamans, oui, oui, a chignoré, oui, allez, crié là-bas, oui, oh, t'es qu'elle est qui va gagner la maman, la hey, oui, oui, hey, oui, maman, oui, alegria là-bas, oui, assis qui vole, oui, 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 William et dit, oui, on va crier des joies, oui, hey, ah, petit nangai, petit nangai, ah, quand le son noir, quand le son noir. Oui, crier là-bas, oui. Mama Tigili, oui. À la isolée, oui. Ota maman, oui. Fini ta voyage, oui.
Allô, bonjour. Allô. Bonjour, Willy. Bonjour. Loukou, comment ça va? Bonjour. Ça va bien. Ça va, Loukou? Oui, ça va. D'accord, Loukou nous appelle de Yopougon Academy. Yopougon Academy, on applaudit pour Yopougon. Allez. Loukou de Yopougon Academy, on fait quoi dans la vie, Loukou? Oui. Je suis ménagère. Ménagère, on adore toutes les femmes ménagères. Merci infiniment de toujours apporter de la fraîcheur dans nos maisons et partout dans nos entreprises. Loukou de Yopougon Academy, je vous donne l'indice. L'indice de cette semaine, le premier, c'est maniable. Maniable, on peut manier ça, maniable. Dans manier, dans maniable, il y a main, maniable. Vous pensez à quoi? 50 000 fois emporté. Vous pensez à quoi? Clé de voiture. Clé de voiture. Bah, chichi, 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 chichi. Vroom. Bah, chichi, 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 chichi. Vroom. Bah, chichi, chichi, chichi. Vroom. Malheureusement, la voiture ne démarre pas. Bisous, Loukou. Au revoir. Bonjour, Konan Yao de Boaké, ça va? Oui, ça va très bien. D'accord, s'il vous plaît, Konan Yao, quand vous nous appelez là, soyez un peu plus vivant. Hein? C'est une émission pour les vivants. Okay, okay. Merci. Konan Yao de Boaké, vous appelez de la belle ville de, oui. De Boaké. Vous faites quoi dans la vie, Konan Yao? Bon, électricien. Électricien, très bien. Le jour où on a un souci d'électricité, on vous appelle, on paye votre transport, vous venez. Ok? Ok, à pas d'accord, ça marche. Allez, 50 000 francs CFA à remporter aujourd'hui. Je vous écoute. Oui. Dites-nous. Je suis maniable. Vous pensez à quoi? Je pense à une gomme. Vous pensez à quoi? Une gomme. Vous pensez à quoi? Une gomme, une gomme. Vous pensez à quoi? Une gomme. Gomme. Oui. Qui a crayon ici, là? Oui. Oui, c'est pas bon. C'est vrai. Allô, bonjour Christian Ayou de Abobo Sojefia, comment ça va? Oui, ça va, bonjour. Christian Ayou de Abobo Sojefia, ça va? Oui, ça va, ça va. Très bien, vous faites quoi dans la vie, Christian? Je suis commerçant. Commerçant, commerçant, vous vendez quoi exactement, Christian? Bon, je vais... Vous vendez quoi? Des vêtements. Des vêtements, Christian. Très bien, d'accord. Pour les hommes, pour les femmes, dites-nous. Bon, des femmes. Des femmes, très bien, ça marche. Allez, Christian, je vous donne l'indice de la semaine, c'est maniable. Vous pensez à quoi? 50 000 francs à remporter. Clé USB. Clé USB. Vous écoutez, ça ressemble à clé USB, vous entendez? C'est clé USB? Ouais. Vous êtes sûr? Allô? Vous êtes sûr? Oui, oui. Vous êtes sûr? Oui, oui. Vous êtes sûr que c'est une clé USB? Oui, oui. Vous êtes sûr? Oui, oui. L'André, c'est sa clé USB? Non. C'est pas une clé USB, désolé, bisous, au revoir. Oui! L'André, mais tu, toi-même, tu joues même, je sais pas. Attends, 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 attends d'abord, attends, d'abord, attends. Applaudissez pour l'André Blessing! Oui! Plus d'appel là. Hey! Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Ha ha ha!
Oui, c'est pas le bateau. Oh, y'a un gars, t'es pas mal, maman, moi, n'a pas mal, y'a un autre blessing, merci à Willy de Moré, applaudissez pour lui, Willy de Moré, oui, c'est pas le bateau, non, 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 voilà, 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 ça c'est la meilleure émission de Côte d'Ivoire de tout le monde. Et voilà qui m'a donné un gabon. Willy a mis du wabé. Et qu'on est debout pour un pour un pour un. T'as peur dedans? Donc applaudissez pour lui, applaudissez pour lui, applaudissez pour lui. Hello, merci. Yeah. André, c'est rentré en ordre. Hein? Ah, non, c'est chaud. C'est chaud, qu'est-ce que tu passes ce moment? En tout cas, Landry, moi j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le directeur du programme dit qu'il va te produire. Oui! 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 J'étais là tout à l'heure, il est rentré ici. Il était tellement content. Mais tu sais, on peut te donner des billets. Ouais. Mais c'est pas ça le plus important. Non, non, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'investir dans ta carrière. Pouah, pouah. Je vous mets au défi. Si vous aussi vous pensez que vous pouvez défier le directeur du programme, donnez. Vous faire rentrer Landry Blessing en studio. Oui! Oui! Il n'a rien demandé. Landry, c'est qui ton nouveau livreur? Non, 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 c'est Yann Bana. Yann, Landry, Landry, va te reposer un peu. Ok. Oui! 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 Hé, hey, Landry, fous la bien. Hé, hey, Yann, fous la bien. Maudia. Allons vendre l'allée des... Allons vendre sur l'allée. Landry! T'as laissé ton lalé ici. Nous-mêmes, on masse, on passe devant toutes les caméras bêtement. Pardon, Ariane. Tiens. Cosse-moi. Ouais, cosse. On va accueillir le prochain. Celui qui vient maintenant, c'est le gagnant de la semaine dernière. Hey. Hey. Brum, 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 brum. Nyame Fradio, hey. Ere ni kato, eno masuma radio, anavri ukra, ibanyi meo. Lève le pied d'abord, lève le pied d'abord. Voilà. Zuna Webadia. Ayo. Mina Dino Sina Mamiyama. Aminu. Eradimu Sina Kumema. Eradio. Atukumina Kumesa Wana Cinema. Ana Ramenyo. Ewo Dima Mena Mena. Mira de Raja. Eradio. Eradio Ganyo. Yomena. Yomba Tuku Raja. You got the report. I will tell you this morning. I will tell you this morning. Don't you want to see that? Oh, eradin ya mi. I do go for the black ali. I na re radio. I got to make your day zero. Sukumanwe, minuwe sinaba, minuwe tiaba wo, minsu no minoba, arade, arade no su make your name we, 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 aja, seba, suma minu, paswe, 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 paswe. Pass.
le gagnant de la semaine. Dernier. Moi, j'ai oublié son nom. Le gagnant vient. Le gagnant est allez voir. Avant, assieds-toi. Oui, il t'a mal dans le tosse. Qui a tué? Narrateur, danseur. Qui a tué, Béli? Qui a tué, Béli? Qui a tué, Béli? Alors, comment ça va? Oui, ça va bien. Ça va bien. Koulibaly, Edouard, qu'on applaudit pour lui encore, s'il vous plaît. Ouais. Koulibaly, ouais. Tu nous appelais de quel quartier hier, la semaine dernière? Abobo PK 18. Abobo PK 18. Abobo, yeah! 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 Alors, Koulibaly Enoch, ouais. Tu fais quoi dans la vie? Ici, élève. En quelle classe? Terminale. Et puis, c'est toi qui es venu bomber notre Togo, quoi. Pendant que les gens sont à l'école, nous on fait mission, toi tu viens, tu te prêts pour regarder. Donc, quand c'était à la pause, et puis il regarde ça tous les jours. Tu regardes ça tous les jours sur quoi? Sur Live TV. À la télé même? Ouais. Mais tu ne te caches pas aussi sur Internet souvent? Bon, un peu. Un peu? Ouais. Ok, ok. Bon. Il y a son frère qui a connu, qui l'a accompagné. Eradicata! Qu'est-ce qu'il fatigue, oh? Et puis ta soeur aussi a connu, qui l'a accompagné. Ah, faut les appeler, ils vont venir. Le jeton est menacé. Grâce. Venez ici, on est là. Ah, ils vont prendre la hey! Ils sont dans nos pères en enfer. Hé, Daniel! Daniel! Venez, venez! Appelle, lui c'est qui? Ils appellent Régis. Régis, Régis, viens. Régis, Régis. Bachelor. Viens, Régis du bachelor. Lui, il n'a pas mis très, mais je veux la demande. Je te jure. Et elle, c'est Grâce. Grâce, grâce au, voilà, assieds-toi, grâce au. Régis, viens. Viens, 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 viens t'asseoir. C'est chaud ici, voilà. Le responsable. Il est là seulement ici tous les jours, donc. Pour rester ici. Allez, voilà, parlez-nous un peu de lui. Il vous avait dit ça, qu'il avait gagné. En étant sans même. Attends, ouais, il n'y a pas. Donne-moi ton micro. Maudia. Vous étiez là le jour là. Ah, on était dans la même maison quand il a pris le. Vous étiez dans la même maison. Depuis lors, il a déménagé, vous a laissé partir. Yeah. Non, non. Mais pourquoi vous étiez dans la même maison? Vous n'êtes plus dans la même maison, mais vous regardiez ça dans la même maison. On a regardé ça dans la même chez maison. Chez qui? Chez vous bien non, non, chez nous, c'est l'un de notre commun. Ah, il n'y a pas télé chez vous, pas télé. Non, on était là, oui, quand on a commencé à regarder. D'accord, ça marche. Allez. Elle, pas sur le micro. Elle s'appelle comment? Grâce. Grâce. D'accord. Toi aussi, tu vas à l'école en quelle classe? Non, je suis étudiante. Étudiante, hein? En sciences naturelles. Sciences naturelles. SVT que nous on fuit là. Toi, t'as. Hey, qu'est-ce qui t'a poussé là en SVT? J'ai aimé. Tu as aimé? Oui. Le corps humain et tout. Mmh. Oh, bleu. Ok, anatomie. Bref. Alors, et toi, tu es en quelle classe? Tu fais quoi comme étude? Je suis en Master 1 de droit. La paix, oh. Master 1 de droit. Donc, je te dis. Le jour où on a problème, on vient te chercher pour aller nous défendre. Il n'y a pas de problème, Willy. Il n'y a même pas dragon. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas dragon. Oui, Enoch. Et puis, Willy, il y a mon pote Nathan et puis Aaron. Ils m'ont dit si je viens là, de toucher, tu vois, non? Hé! Hey. Ils ne sont pas là. Nathan et Nathan. Nous tous, on est pas de ça. C'est lui, Nathan. Moi, c'est vraiment. Le feu sur Nathan. Le feu sur comment il s'appelle? Aaron. Aaron, vous deux. Sorcellerie, vous êtes venus faire sur ma tête là, le feu. Allez, élément, on va faire rentrer ton jeton, ton jet. Yeah. Est-ce que tu peux faire rentrer le jet là, s'il te plaît? Voilà, applaudissez pour la gentillesse et pas. Hé, hey, l'intro! Ouais. Bon, comme ils sont nombreux, ouais. On a décidé de faire la monnaie. Hein? Comme ça, dans le partage, là. On sait jamais. Il va pas dire, il n'y a pas monnaie. T'es un mauvais meuf. Voilà. Il allait faire monnaie. Il y a beaucoup de 2000 dedans. On va compter. Allez, tu comptes, on compte ensemble. Allez, c'est 100 000, tu gagnes. Ouais. Allez, 2000. 4000, 6000, 8000, 10000, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Ça y est, c'est bon. Wow. Voilà. Les bons comptes font les bons amis. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit? C'est pas à nous, tu dois dire merci. Tu dois dire merci à Move Africa qui donne l'argent. Ouais. Et puis surtout aussi. À Live TV, vas-y, on t'écoute. On sait jamais. Paye. J'aimerais dire merci à Live TV, merci à Willy Dombo, merci à Move Africa, et puis merci à tout le monde. Merci beaucoup. Surtout aussi, moi, je veux dire spécialement merci aussi à tous ces sponsors-là qui nous font plaisir.
Merci du fond du cœur aussi à Nescafé. On applaudit pour Nescafé. Nescafé, 3 en 1. Et puis aussi à Darcy. Bienvenue Darcy, merci du fond du cœur. Allez les amis, merci infiniment. Allez, et puis revenez quand vous voulez. Surtout, ne zappez surtout pas. Restez connectés. Live TV, la maison du bonheur. Live TV, c'est chez vous aussi. Bisous, bisous. On marque une pause, à tout à l'heure. Et la famille, nous sommes de retour sur le plateau du WAM. Aujourd'hui, c'est le 24e jour du mois d'octobre, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Et tous les jours, dans le cadre de WAM Rose, nous recevons des messages de sensibilisation contre ce mal-là. Aujourd'hui, nous avons la vidéo de Madiara Koulibaly. On regarde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis Madiara Koulibaly, étudiante. En ce mois d'octobre consacré à la lutte contre le cancer du sein, j'exhorte tout le monde, homme, femme, à aller se faire dépister de ce mal. Attends, notre garçon va voir ça aussi. Oui, gay. Où? Alors, luttons tous contre le cancer du sein. Wow, merci. Très, très, très belle vidéo. Merci surtout aussi. Ah, au célèbre web humoriste ivoirien Teknouche qui s'est prêté au jeu. Effectivement, les hommes aussi ne sont pas exempts de ce phénomène-là, de ce mal-là. Donc, faites-vous dépister, allez-vous palper, faites-vous palper tout ça. Mais surtout, la dépistation, c'est très important. Allez, à présent, la vidéo du jour. Manger en groupe, là, ça nécessite d'avoir des aptitudes hors du commun. Regardez. Are you playing? What are you playing? What the mean is Jesus? Waiting there. How many things, person? Which kind of life is this? Some. Oh, I don't do it, man. Ah. Hey! Ah, bien fait. Demain, il faut souffler encore. Tu sais pas que quand tu as mangé en groupe, là, même si la nourriture elle est chaude, là, il faut toujours avoir un truc pour diminuer la chaleur. Il y a un refroidisseur que les gens ont dans les bouches. Un petit climatisoire. Ouais, hein? Un petit climatisoire. Et puis toi aussi, tu as fait tout à l'heure, dit dépistation, tu peux pas me parler. On a même chose, nous moi, tous ici. Moi, je voulais dire dépistage, toi au moins. C'est dépistage, désolé, c'est pas dépistation, c'est dépistage. Je me suis trompé, voilà. Moi, je voulais dire dépigment. Okay. Alors, poursuivre avec la pépite. Oui! Oui! Pépite, Seigneur, aide-moi. Quand c'est trop chaud sur toi, voici le genre de prière que tu fais. On dit quoi? Seigneur, j'ai jamais causé avec ceux qui t'ont crucifié. Je n'ai jamais causé avec ceux qui t'ont crucifié. Aide-moi. Seigneur, pardon, faut l'aider. Il souffre trop. Tu es dans le même cas, non? Moi, il a pris Baka. Pépite 2, hi. Vous savez, les relations entre beaux-parents et puis belles-filles, belles-familles et autres, tout ça là, vraiment, c'est pas toujours beau fixe, quoi. Mais quand ils s'entendent trop aussi, c'est pas bon. Il dit quoi? Mes parents ont tellement aimé ma copine. Comme leur vraie fille. Maintenant, ils sont en train de lui chercher un bon mari. Ce sont mes parents maintenant qui sont en train de chercher un bon mari pour ma copine. Il est dans paix. Il est dans paix, hein? Et lui, il est quoi? Le père est croustillant, vraiment. Comment vous allez trouver un mari? Genre, moi, je suis devenu trop votre frère, quoi. Il n'est pas bien. Il dit quoi? Papa, passe le micro à qui s'y avait dit quelque chose. Oh, j'ai dit, c'est parce que tu n'es pas bien. Est-ce que c'est moi? C'est pas moi. C'est qui? Non, à qui s'y, on dirait toi, c'est ton travail de prendre la chérie de ton garçon pour aller donner ça en mariage à quelqu'un d'autre. Pépite 3, contamination. Quand tu sais que ta copine a une maladie contagieuse, vous savez, il y a des choses qu'il faut éviter. Exemple. On dit. Oui, on dit quoi? Bébé, regarde-moi dans les yeux. T'appelles tout bien, c'est quoi? Il y a la personne à porter. C'est shakeuse. C'est qui ça là? On dit quoi? Bébé, regarde-moi dans les yeux. Bébé, regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi que tu m'aimes. C'est dans ça qu'elle m'a donné Apollo. Et dans ça, la coupe m'a donné Apollo. Vous n'avez pas dit que quand vous êtes amoureux, là, vous perdez la tête. Continuez seulement. Oh, regarde-moi dans les yeux, attends, la personne d'Apollo. Pépite 4, c'est pas ce que tu crois. Les gars, parfois, certaines évidences ne sont pas si évidentes qu'on le pense. Exemple.
Je sais que je suis marié, bébé. Je sais que je suis marié, bébé. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Ma femme et moi, nous sommes juste amis. Ça va. Ma femme et moi, nous sommes juste amis. Ma chérie. Jesus is Lord. C'est pas ce que tu crois. Hein. Lui, son mariage, là, c'est amitié. Rien de plus. Ils se sont juste mariés pour faire photo, pour balancer sur Facebook. Ouais. Le reste, là, faut pas y croire. Ouais, il a demandé à mon ami samedi, là. Tu vas où? Il dit il va au mariage de sa femme. Toi, pour toi, c'est un autre level. Maudia. Pépite 5, on est au COI. Dans la vie, quand on se fixe un objectif, il faut se donner tous les moyens nécessaires pour l'atteindre. N'est-ce pas? Il dit quoi? Tu m'as bloqué partout. Tu m'as bloqué partout. Mais j'ai postulé à ton lieu de travail. Mais j'aime. On se voit lundi, bébé. Attends, pause. Tu m'as bloqué de partout. Je n'ai rien dit. Je suis allé postuler où tu travailles là et. L'entretien a marché. Donc on se voit lundi, bébé. bébé, à lundi. On est ensemble jusqu'à la gare. On est ensemble du lundi au vendredi. Allez, c'est tout pour la pépite. On fonce vers l'infobuzz. Oui! Oui! L'infobuzz est sponsorisé par les cris oui! Oui! Allez, on démarre l'infobuzz, madame, monsieur, avec cette triste nouvelle-là. Voilà, Jimmy Danger donc est en deuil. Hey! Oui! Oui! Ah! Oui! Même ça me dépasse. Triste nouvelle. Ibo Laurent, alias Jimmy Danger, a perdu sa sœur. L'acteur a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook. C'est avec un cœur meurtri que je vous annonce le décès de ma petite sœur, la dernière de notre famille. Décédée le 16 octobre dernier, Auré Bialé Lima sera inhumée le 5 novembre prochain à Bolia, village situé à 7 km d'Issia, au lendemain de la levée du corps. Toutes nos condoléances à Jimmy Danger et sa famille. Cam Tchin Tchin 2022, les vainqueurs récompensés. La cérémonie de remise des prix du Cam Tchin Tchin 2022 s'est tenue le 22 octobre dernier à la salle Cacao de l'Hôtel du Golfe. Depuis la finale jouée il y a un mois et qui a vu le sacre d'Adjamé sur Bassam 1-0, tous les regards étaient aussi tournés donc vers l'effectivité des récompenses. C'est chose faite. L'équipe vainqueur Adjamé MC a reçu son chèque de 40 millions de francs CFA. Le finaliste malheureux, Bassam MC, a reçu 20 millions de francs CFA. Le genre de tournoi où toi-même, tu veux même être dernier, mais au moins, tu as un chèque. Voilà. Le troisième ex aequo, donc les troisième et troisième ex aequo, Abobo MC et Yopougon MC, ont reçu chacun un chèque de 5 millions de francs CFA. Les meilleurs joueurs et meilleurs buteurs ont également reçu leur récompense. Après avoir remercié les participants et les partenaires de ce premier Cam Tchin Tchin, Jonathan Morrison, promoteur donc de l'événement, a profité pour annoncer les couleurs de la prochaine édition. Tenez-vous bien, suspense. Le vainqueur. Il faut traduire ça en même temps. Le vainqueur. And now what you do here? Du prochain Cam Tchin Tchin. Don't win a dodomen bolé. Repartira. Un watititiri. Avec la coquette somme. Tunengana koki kumandake. De 100 millions de francs CFA. Vous avez bien entendu. 100 millions de francs CFA. Oui. Moi, mais c'est pas comment il traduit, toi. Bon, les gars, commencez à vous entraîner. Voilà, ouais, vraiment. Nous tous, on s'entraîne ici aussi à Live TV. On va créer WAMMC. Voilà, tchè-tchè de l'année prochaine, là. On est dedans. En tout cas, bravo encore à Jonathan Morrison pour avoir réussi ce pari-là. Et rendez-vous en 2023 surtout. Et puis, j'avais laissé un message, donc un conseil à tous nos amis de Adjamé MC. Je leur ai dit de dormir au golf là-bas. Et puis, comme ils ont le chèque, de partir à la maison le lendemain. Et ils n'allaient pas rentrer à 7 heures la tardive à Adjamé. On ne sait jamais. Le président Laurent Gbagbo présent au concert des 25 ans de Yodé et Siro. Le concert anniversaire des 25 ans de carrière de Yodé et Siro a tenu toutes ses promesses. Le samedi 22 octobre, c'est dans une salle comble que les artistes ont égrené leur riche répertoire discographique depuis Assez Kotoko jusqu'à Héritage. Ça donne un peu. Barou Yera Terara.
Zemolo. Voilà ton beau dia. Barou, faut jamais te. Tu vas où? Eh, hey, Seigneur. C'est bon, c'est bon. Vous faites les gens sont. Les gens sont paniqués là. Et donc, ils ont gradé tout leur chapelet de musique, donc depuis à 50 encore jusqu'à Héritage, leur dernier album, comme je le disais tantôt, en passant bien sûr par Antil, Aleka et Sinzo. Plusieurs grands noms du Zouglou et d'autres genres musicaux ivoiriens étaient présents pour apporter leur soutien au duo de Batanikro. On peut citer entre autres le groupe Magic System, Soumbil, Samy Succès, Patsako, Julien Gualo, Kérosène ou encore Didi B. La sensation de ce spectacle a été sans nul doute l'arrivée du président Laurent Gbagbo. L'annonce donc de l'entrée du président Laurent Gbagbo dans la salle à Noumabo a créé une atmosphère incroyable. On regarde. Quelle ambiance. Et très honoré donc de la présence de l'ancien président ivoirien, Yodé et Siro lui ont dédié leur première animation musicale. Outre donc le président Gbagbo et son épouse, on notait également à ce concert-là la présence du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, M. Adama Big Togo, et du ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Sidiki Tiemoko Touré. Encore bravo à vous les Doya, on se donne rendez-vous pour les 30 ans. Zouglou. Thierry Kofi défend Miss Côte d'Ivoire. Le secrétaire général du Comissi, Thierry Kofi, a récemment réagi aux critiques à l'encontre de Marlène Kouassi, Miss Côte d'Ivoire 2022. En effet, depuis son élection, les internautes ivoiriens ne manquent pas une occasion pour critiquer les photos de Marlène Kouassi. Selon eux, les images publiées ne sont pas à la hauteur de la reine de beauté. Certains ne manquent pas d'interpeller le Comissi. À ce propos, donc, Thierry Kofi a tenu à faire quelques précisions. Pour aller donc dans le fond, notre rôle n'est pas d'habiller la Miss. Notre rôle est de promouvoir son caractère, l'ensemble des canaux qui peuvent lui permettre de pouvoir se développer. Mais le dernier choix de ses vêtements lui revient. Ce n'est pas notre rôle de l'habiller, mais on lui met à disposition des designers, des conseillers vestimentaires et tout. Et c'est à elle de prendre ses décisions à ce niveau. Et donc pour Thierry Kofi, les réseaux sociaux sont extrêmement virulents avec elle et cela a pu jouer sur son moral. Toutefois, il pense qu'elle a gagné cette bataille-là car elle a réussi à s'épanouir malgré toute cette agressivité des populations. Chacun doit se sentir plutôt responsable face à notre Miss. Nous faisons notre part, vous devez la soutenir car c'est elle votre Miss. Ce n'est pas en lui jetant l'opprobre, la pierre bien sûr, inutilement, que vous aidez la Miss à redevenir ou du moins à devenir votre reine de beauté. C'est un engagement collectif. Voilà. En bon entendeur, ouais. Salut. Voilà. C'est notre Miss, on l'a élue. Nous tous, on a crié ici. C'est pas maintenant que vous allez venir fatiguer la fille, là. Malène, tu es jolie. Jolie. Point bas. Arrêtez. Vous êtes jolie, jolie comme ça. Et puis, oh, arrêtez d'applaudir. Vous êtes jolie comme ça. Et puis, vous laissez dans votre salon là-bas. Quand on dit Miss Côte d'Ivoire, voilà, on ne vous voit pas pour aller faire un truc. Oui, oui. La fille, elle s'est levée, elle a pris son courage à deux mains pour aller faire. Maintenant, vous allez venir dire non, elle a le truc. Souvent, même, tu regardes même ceux-mêmes qui sont en train de commenter là-même. Là. C'est bon, elle m'était. Venom Cascadeur et papa. Wouh! Allez, la famille, on termine l'infobuzz de ce jour avec cette heureuse nouvelle-là. Venom Cascadeur et papa pour la première fois. Ouais. Le chanteur a publié une photo de lui avec le nouveau-né, avec en légende I thank God for my first child. Yes, sir. Yes, sir, bro. Ça veut dire. Ouais. Ça veut dire quoi? Chaque matin, The Prince of the Kingdom of God. Glory to be God. Amen. Hey, mon frère, il a tué. Ah, il me débrouille. Félicitations à toi, Venom, et surtout à la maman. Bienvenue au bébé. Bon vent. Allez, on retrouve Apuchou sur les traces de quelque chose. Jingle.
Tout le monde ici a déjà eu affaire à un transporteur ou un commerçant à cause d'un problème de monnaie. Pourquoi les chauffeurs et apprentis n'ont jamais la monnaie? Ce lundi, Apoutchou Sans Filtre a décidé d'en avoir le cœur net en allant sur les traces de la monnaie. Regardez. Alors les amis, ce qui se passe derrière moi actuellement, c'est ce qu'on appelle association. C'est lorsque l'apprenti remet la monnaie de plusieurs personnes à un seul passager et puis leur demande de se débrouiller pour pouvoir se départager cette monnaie-là. Du coup, si on a 5 personnes à qui il doit 200 francs, il va remettre 1000 francs et puis il va leur demander de se départager la monnaie. Tout à l'heure, on a assisté à une petite scène où on voyait l'apprenti en train de vous donner votre monnaie. Vous nous expliquez un peu comment ça s'est passé. Vous vous associez avec des gens? Oui, oui, nous sommes trois. Et il vous doit combien chacun? 200, 200. 600 pour trois personnes. Elles sont bonnes. Si je ne vais pas, je les pète. À chaque fois que des passagers descendent, le même problème se pose. Pas de monnaie. Des inconnus se voient ainsi associés et liés par une monnaie commune. Je lui avais dit que j'ai 2000 francs. Il m'a dit de monter. Et je monte. Puis il me dit, il m'a donné les 1500. Il doit me donner 300. Il met ensemble avec le monsieur. Pourtant, on ne va pas dans le même coin. Parfois, les problèmes de monnaie peuvent faire passer un sale quart d'heure à l'apprenti. Comment même? Tu t'es garçon, répète ce que tu as dit là. Vous êtes normal. On se porte pas là. Toi-même, tu es normal. Imbécile. Ça fâche toi. D'autres fois, cela peut aller bien plus loin. Ne riez surtout pas. On ne sait pas, c'est bon. Mais l'association n'a pas que des inconvénients. On se souvient de ce couple qui a été associé à la descente du Baka par un apprenti. Ils ont continué de se voir, de se parler et aujourd'hui, ils se sont mariés. Ce qu'on aimerait bien savoir, c'est pourquoi est-ce que les apprentis n'ont jamais la monnaie exacte à remettre à chaque passager. Mes passagers n'ont qu'à monter avec la monnaie. Si tu n'as pas la monnaie aussi, si il y a monnaie sur moi, je vais te donner ta monnaie. Si il n'y a pas de monnaie, je suis obligé d'associer. Parce que sans pas. Et puis je vous demande pardon encore pour me mettre dessus. Voilà. Donc l'association est le pardon pour les passagers qui n'ont pas la monnaie. Voilà, ils n'ont pas la monnaie. Donc. Et quand vous n'avez pas de monnaie à la descente du Baka, ils sont toujours là et ont toujours la monnaie pour vous. Eux, ce sont les vendeurs de mouchoirs en papier, d'eau glacée et de friandises. Mais comment est-ce qu'ils font pour avoir toujours toute cette monnaie? Nous-mêmes, on achète la monnaie hein, pour pouvoir avoir la monnaie, pour donner aux passagers. Vous achetez ça où? Bon, il y a beaucoup de coins en paix, hein, sinon vraiment, hein, souvent les mendiants, bon, et puis tu vois. Là... Les pièces de 50 francs, de 100 francs et de 200 francs se présentent dans certaines situations comme un précieux sésame, surtout dans les transports et dans les commerces. Je vais me rendre à l'un de ces points de vente pour essayer d'en savoir un peu plus, mais je vais y aller en caméra cachée parce qu'avec la grosse caméra, je pense pas qu'ils vont accepter de témoigner. Oui. Parce que Tanji de peine n'a pas monnaie, garde de cabine n'a pas monnaie. Plateau, le centre des affaires. C'est dans l'une de ces ruelles que nous retrouvons cette jeune fille qui est apparemment spécialisée dans la vente de petites monnaies. Ça commence à valer 5 000. Pour 5 000, c'est combien? Tu fais 100 francs et puis c'est dans 5 000. Monnaie 5 000. 2 000, 5 000, 2 000, 2 000. Ça, c'est 5 000, ça, c'est 5 000. D'accord. Alors que la petite monnaie devrait pouvoir circuler librement, elle est détenue par certaines personnes qui en font un trafic. Et ça... Et ça... C'est pas normal. Pas normal. C'est pas normal. Et ça. C'est pas normal. Et ça. C'est pas normal. Mais Apoutchou, toi, tu finis un truc comme ça et puis tu peux pas dire c'est pas normal. Toi, tu nous dis et ça et puis tu coupes. Parce que c'est pas manger, tu allais faire aujourd'hui quoi. Hey. Mais en tout cas, franchement, je vais me lever aujourd'hui pour te saluer, Apoutchou. Parce que tu as fait un travail de fond. Apoutchou. Non, franchement. Respect. Apoutchou, ton reportage d'aujourd'hui là. Chapeau, tu as toujours le problème vraiment là où il faut. Tu es vraiment allé sur les traces de quelque chose. Voilà. Demain, tu peux partir sur les traces d'autre chose. Après demain, tu peux partir sur les traces d'autre chose. Non, c'est nourriture. Voilà, mais pour l'heure, c'est ça. Pour l'heure, comme nous, on aime manger là et on aime l'argent, on va aller sur les traces de la pub. À tout à l'heure. Et la famille, nous sommes de retour sur le plateau du WAM. Merci infiniment de nous accorder et nous réitérer votre fidélité tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, à partir de 11h30. Aujourd'hui, c'est le lundi 24 octobre 2022. On va retrouver maintenant mon ami du midi. Celui qui va me rejoindre maintenant est l'un des chanteurs les plus appréciés de notre pays. Il célèbre cette année 20 ans de carrière et prépare deux gros spectacles. Wamien Zé Wamien, je vais m'éclipser et vous allez faire, s'il vous plaît, ici et même chez vous à la maison, un maximum de bruit pour le grand Net. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Oui, bienvenue, quelle entrée et merci. Plus d'ovations, s'il vous plaît, pour le chanteur de Nestor David. On s'assoit. Waouh. Merci. Nestor David, quel plaisir de recevoir ici. Quelle ambiance. On sent vraiment que tu as manqué
à ce petit public-là, hein, ce petit, ces esprits-là dans le studio. Les esprits, ça va ou pas? Alors, Nestor David, depuis tout ça, tu te caches où? Aujourd'hui, tu vas bientôt célébrer 20 ans de carrière en novembre. Oui, effectivement, je suis là. Je suis là, je me porte très bien, par la grâce de Dieu. Oui, attends, je te récupère celui-là, puisque tu en as un là-bas déjà. Voilà, voilà. Je me porte très, très bien, par la grâce de Dieu. On est toujours dans l'œuvre du Seigneur, donc ça va très bien. D'accord. On va te poser plus de questions. En 20 ans, il y a eu forcément des choses que tu as voulu te dire toi-même en te regardant dans une glace, dans un miroir. On va te donner la possibilité maintenant, toi, là maintenant, de te regarder dans un miroir. Et ça s'appelle le miroir de la vérité. Et on va te poser des questions. Et tu vas regarder et parler à l'autre toi, à Nestor. Est-ce que tu es prêt? Ça marche. On fait rentrer le miroir donc de la vérité. Abou Dougouno. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de mouvements. On passe, on va à gauche, à droite, devant la cam. Voilà. Mais je ne me vois pas. Hein. Non, non, tu vas te voir tout de suite. Nestor, tu te verras tout de suite. On va décaler légèrement. Là, c'est top. Voilà, top. Nestor, tu réponds à toutes mes questions en regardant uniquement le miroir, rien que le miroir, sans bouger. Est-ce que tu es prêt? Oui, pas de souci, ça peut aller. Très bien. Alors, Nestor David, première question. En 20 ans, est-ce que tu as déjà eu envie d'arrêter de chanter pour Dieu? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai toujours l'envie et j'en aurai toujours l'envie de chanter pour Dieu. Jamais eu d'envie d'arrêter? Jamais de la vie. Très bien. Nestor, quelle est ta relation actuelle avec Dieu, 20 ans après? Oui, il faut dire que Dieu est tout pour moi, Dieu représente tout pour moi. Jésus est ma source d'inspiration, donc la relation entre moi et mon Dieu se passe très, très bien. Très bien. Nestor, oui. Est-ce que 20 ans de métier assure une aisance financière qui te permet de vivre pleinement de ta musique? En tout cas, par la grâce de Dieu, j'arrive à vivre, j'arrive à nourrir mes enfants, j'arrive à servir Dieu avec le peu que Dieu me donne. Donc, je peux dire que ça va, ça va. Très bien, c'est bon à entendre en tout cas. Nestor, dans tes chansons, on entend beaucoup de nostalgie, beaucoup de supplications à Dieu. Pourquoi ce registre? Bon, il faut dire que tout ce que je chante est lié à ma vie. Oui. J'ai suivi tes commentaires, les commentaires de la publication que tu as fait tout à l'heure. Oui. Il y a quelqu'un qui disait, mais avant-hier, là, il chante, là, ça fait déjà 20 ans. Il faut dire que Nestor David a commencé depuis 2002 et les débuts n'ont pas été faciles. Et c'est toutes ces situations qui m'ont amené à chanter. Et donc, ce que je chante, c'est une autobiographie. Donc, tout ce que j'exprime à travers mes chants est inspiré d'une histoire personnelle, mais basé sur ce que Jésus a fait dans ma vie. Très bien. Nestor, à un moment, on ne te voyait plus. On a eu l'impression que ta carrière n'avançait plus. Comment est-ce que tu peux expliquer cela? Bon, ben, vous savez, ça fait plus de 15 ans. D'abord, j'ai fait 5 ans. 5 ans, j'ai sorti mon premier album en 2004. Et le second qui m'a révélé est sorti en 2007. On n'a qu'enchaîné des concerts. Et moi, ma particularité, c'est que quand vous ne me voyez pas sur les médias, c'est que je suis quelque part en tournée ou en train de faire l'œuvre de Dieu quelque part. Donc, pour moi, ce n'est pas tout le temps venir à la télévision qui exprime le caractère ou bien le fait qu'un artiste en vogue ou pas. Moi, si je n'ai pas d'activité, je n'ai rien à faire, je n'ai rien à dire, je ne viens pas sur une chaîne de télévision. Si j'ai une actualité, j'ai un album, j'ai quelque chose de nouveau, je viens sur les médias pour le présenter. Voilà. Très bien. Nestor, on poursuit toujours, tu es face au miroir de la vérité. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un milieu aujourd'hui des chantres chrétiens unis en Côte d'Ivoire? Si oui, quels sont les rapports avec les autres? Bon, moi, ce qui me concerne, je suis en parfaite harmonie avec tout le monde. Avec tout le monde. Mais il y a certains qui sont de ma génération avec qui on partage beaucoup de choses. Mais quant au reste, on est ensemble. On est ensemble, voilà. Oui. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est ce que je peux dire. Très bien, Nestor. Quelle leçon de vie retiens-tu aujourd'hui de ce parcours-là,
bientôt tu vas célébrer 20 ans de carrière. Mais déjà, est-ce qu'il y a des leçons de vie que tu retiens? Ce que je retiens d'abord, c'est de croire en ce que l'on a choisi de faire dans la vie. Quand on choisit, il faut croire. Et quand on croit, il faut être déterminé. Oui. Quand on a un rêve, il faut se donner les moyens pour réaliser son rêve. Oui. Très bien. Nestor, est-ce que parce qu'on chante pour Dieu, qu'on vit une vie de sanctification à tous les niveaux, est-ce qu'on est obligé d'être à tous les niveaux sur le qui-vive pour ne pas pécher, pour ne pas tomber, parce qu'on chante uniquement pour Dieu? Que peux-tu dire à ceux qui estiment qu'un chanteur doit être saint? Est-ce qu'il y a des actions dans ta vie que tu regrettes vraiment? Bon, moi, je ne regrette pas d'action en tant que telle, mais je veux dire que la sanctification, la sainteté n'existe pas dans ce monde. Oui. Vous savez, nous sommes tous des êtres humains et celui qui est saint, c'est le Christ. Donc, nous tous, on essaie d'être le modèle du Christ en étant des exemples, en faisant violence sur nous-mêmes pour ne pas salir l'image du Christ que nous sommes. Mmh. Mais en dehors de ça, personne ne peut se réclamer d'être saint. Voilà. Donc, la sainteté n'existe pas de ce monde. Très bien. Ouais. Nestor, si aujourd'hui tu devais reprocher des choses à l'homme que tu es en train de regarder en ce moment dans ce miroir-là, ce serait quoi? Bon, je ne sais pas quoi dire, mais... Est-ce que l'homme qui est en face de toi, tu peux lui dire que tu regrettes certaines choses? Est-ce que tu as des regrets déjà, en 20 ans de carrière? Non, pas du tout. Si c'était à recommencer? Pas du tout, je ne regrette pas. Je sais que j'ai passé presque la moitié de mon âge dans l'œuvre de Dieu, dans le service du Seigneur. Oui. Et pour moi, c'est une fierté pour moi de servir Jésus. Donc, je ne regrette rien. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que l'homme qui est en face de toi a des craintes, a des peurs, avant bien sûr donc cette grande célébration des 20 ans de carrière? Non, pas du tout. Vous savez, tout ce que je fais n'est pas de ma personne. Oui. Tout inspiré par le Seigneur. J'ai une force derrière moi qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ, qui m'accompagne dans tout ce que je fais. Donc, quand je sais que Dieu est avec moi, oui, je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien parce que Dieu est avec moi. Et quand j'ai le feu vert du Seigneur de faire quelque chose, je sais que je le réussirai parce que j'ai le Christ de mon côté. Très bien. Qu'est-ce que tu espères de l'avenir? L'avenir, c'est de continuer d'évangéliser, de gagner, oui, des âmes à travers cette notoriété que Dieu m'a donnée, à travers cette petite image que Dieu m'a donnée, à travers ce don que Dieu m'a donné, à travers ce ministère que Dieu m'a donné. C'est de gagner le maximum d'âmes, c'est d'être une source de bénédiction pour des milliers de personnes, surtout pour notre jeunesse ivoirienne et africaine. Si, par exemple, tu avais ton jeune frère Kaes Bloom en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah oui, je lui dirais, je suis fier de lui parce que, vous savez, aujourd'hui, tout le monde ne peut pas aimer les mêmes gens. Oui. Tout le monde n'aime pas forcément Nestor David, tout le monde n'apprécie pas forcément Nestor David. Oui. Mais aujourd'hui, dans la musique chrétienne, quand on voit des diversités, oui, cela amène d'autres personnes qui n'aimaient pas peut-être ce qu'on avait l'habitude de faire à aimer le Christ. Le plus important est que tout ce que nous faisons soit des instruments d'évangélisation pour gagner des âmes. Donc, je dirais que je suis fier de lui. Très bien. Et si aujourd'hui, tu avais des mots à l'endroit aussi de ta sœur, Claire Bailly, qui a rejoint récemment le service pour Christ, ce serait quoi? Oui, mais elle-même, elle le sait, hein, que je suis son premier soutien. Voilà, et je l'encourage, je suis fier de ce que Dieu est en train de faire à travers elle. Et je, oui, crois que je lui ai dit plusieurs fois, elle est une puissante évangéliste. Et à travers son histoire, à travers son témoignage, vous savez, c'est le témoignage qui édifie, c'est le témoignage qui amène quelqu'un à croire à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je pense qu'elle est une véritable servante de Dieu, elle a beaucoup de choses à donner pour la gloire de Dieu. Voilà. Donc je suis fier de toi. En novembre, Nestor David, tu vas célébrer 20 ans de carrière, deux dates.
cette célébration va au-delà de la personne de Nestor David. Vous savez, depuis, comme j'ai dit, depuis 2002, j'ai commencé cette aventure avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en 2007 que j'ai été révélé. Et depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, tous les albums enchaînés ont fait du bien à des milliers de personnes, d'autres personnes qui étaient désespérées en écoutant les titres comme « Jésus est ressuscité »,« Jésus m'a aimé »,« Aïka »,« J'attends mon miracle »,« Jésus demi », etc. Et j'en passe. Ont été édifiés, ont été reconfortés, d'autres qui avaient perdu de l'espoir, d'autres qui avaient perdu des parents, des êtres chers, en écoutant des titres comme Aïka, qui ont retrouvé le chemin du goût de la vie. Toutes ces personnes sont invitées à venir rendre grâce à Jésus. Ce n'est pas Nestor David qu'on vient célébrer, mais ce Dieu-là qui a tiré un jeune de rien du tout pour l'amener à ce niveau d'évangélisation. C'est ce Dieu-là qu'on vient rendre grâce, à ce Dieu-là qu'on vient dire merci. Oui. Et chacun de nous aussi vient pour rencontrer son Seigneur. Et pendant ces concerts, Dieu va opérer de nombreux miracles dans la vie de ses enfants, de ses fils et ses filles. Si vous avez une fois aimé un titre de Nestor David, c'est le moment de venir rendre grâce à son Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth, ce samedi, le 19 novembre au Palais des Congrès Sofitel, Hôtel Ivoire, pour le concert VIP. Et le dimanche 20 novembre au stade de l'Université de Cocody pour la grande célébration où nous attendons toute la population ivoirienne. Quel que soit votre bord politique, ethnique ou religieux, nous vous attendons. Venez, nous allons ensemble célébrer Dieu pour ses bienfaits, même dans notre pays, dans notre nation et dans nos vies personnelles. Nestor David. Oui. Si tu devais dire une phrase à l'homme qui te regarde là, dans ce miroir, ce serait laquelle? Je lui dirais de continuer de servir Dieu, parce que s'il est arrivé là, ce n'est ni par sa force, ni par son intelligence, ni par son talent, mais c'est par la grâce de Dieu qu'il est arrivé à ce niveau et qu'il continue de gravir des échelons avec Christ. Donc je lui dirais de s'accrocher davantage à son Dieu qu'il a choisi, Jésus-Christ de Nazareth. On dira tout simplement Amen. Voilà, on va applaudir très fort, s'il vous plaît, pour Nestor David. C'était le miroir de la vérité de Nestor David. Alors, Nestor, alors dis-nous, comment tu l'as trouvé, ce miroir? Ouais, c'était pas mal, mais je pensais qu'il y avait des pièges. Mais comme je suis prêt à tout. Si, si. Mais ici, en plus, je suis chez toi, donc du coup, il n'y a pas de piège. Allez, on va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants. Nestor David est avec nous, à tout à l'heure. La famille, nous sommes de retour sur le plateau du WAM. Aujourd'hui, c'est le lundi 24 octobre 2022. Mon ami du midi se nomme Nestor David. Justement, Nestor David, c'est l'année de célébration des 20 ans de carrière. Voilà, et il y a aussi un titre qui a été balancé récemment sur ta page. De l'imagination, c'était quelque chose qui était 20 ans en arrière, c'était impossible. Ouais, ouais. Mais Dieu l'a fait et je veux rendre toute la gloire à Dieu à travers ce maxi single. Ce maxi single en tout cas. Et puis 20 ans de carrière aussi, c'est en même temps une action de grâce aussi. Parce que depuis pendant 20 ans, on a vu Nestor David faire des concerts gratuits, des concerts entre 2000 francs. C'est ça. Vraiment toujours dans le social aussi. Bon, c'est lié aussi à mon histoire, c'est lié à d'où je viens. Oui. Je viens de la basse classe et pour moi, si Dieu a permis que je sois là, c'est pour ces personnes. Si. Donc, quand je fais même des concerts, je pense à ces personnes-là qui n'ont pas 100 000 francs, qui n'ont pas 150 000 francs, qui n'ont pas 200 000 pour s'offrir un ticket de concert. Ouais. Et c'est des temps aussi d'évangélisation. C'est pourquoi le concert du dimanche,
la grande célébration. Le dimanche 20. Le dimanche 20, ouais. L'entrée à 2 000 francs pour permettre à tout le monde de venir. C'est juste une participation pour nous aider un peu dans les charges. Ouais. Et celui de l'hôtel Ivoire, ça, c'est 50 000 francs. 50 000 francs. Donc, vraiment pour ces personnes-là qui t'aiment bien, mais qui n'ont pas l'occasion d'aller peut-être dans un stade aussi. Au stade, de venir aussi, parce que ce n'est pas seulement que des gens de la basse classe, comme on le dit, qui aiment Nestor David, mais les gens de tous bords aussi apprécient ce ministère. Donc, on les invite. Vous choisissez où vous voulez venir. C'est ça. Mais nous, on souhaite que vous soyez à ces deux concerts. C'est ça. Le samedi à l'Hôtel Ivoire, samedi 19 à 19h. Et le dimanche 20 au stade de l'Université de Cocody. À partir d'on va dire ouverture des portes à partir de 14h. 14h, on attend tout le monde. Que vous soyez chrétien, musulman, animiste, on attend tout le monde. On attend tout le monde en tout vous cas. Vous qui savez qu'il y a un Dieu qui existe, venez lui rendre grâce pour ce qu'il fait dans vos vies. C'est ça. C'est important. C'est dit et bien dit en tout cas, Nestor David. Allez, on découvre ce qui se cache dans mon agenda maintenant. Yep, dans mon agenda aujourd'hui, je parle de soirée de distinction des jeunes femmes africaines. Voilà, la Fondation Yakin organise la deuxième édition de la soirée de distinction des jeunes femmes africaines. Cette soirée-là qui célèbre l'excellence féminine se tiendra le samedi 4 novembre prochain à l'espace Latrier 20 aux Deux Plateaux à partir de 19h. Venez à la rencontre des 12 lauréates et découvrez leur parcours exceptionnel, leurs histoires, leurs challenges, leurs victoires. Info line 07 09 17 17 34. 07 09 17 17 34. Allez, ce sera tout aujourd'hui en ce qui concerne donc mon agenda. Nestor David, généralement, on termine l'émission à entre 43 et 44. On doit quitter ici avant 45. Tu es devant toi, tu as le chrono. Fais-nous un petit pot pourri, donc un medley de Jésus est ressuscité en juste 1 minute 30, 2 minutes. Okay. Puisque le meilleur, ce sera les 19 et 20. Allez, lumière, bombe acoustique. Minimse, Yesu Christo. Eya wa wa chuma no ni miye Eya wa wa chuma Yesu kwa no ni miye Eya wa wa chuma Enonti Yesu ya wa wa chuma mamio Yesu ya wa wa chuma mamio Yesu ya wa wa chuma mamio Yesu Kristo mi pacha ya wa wa chuma mami Miti mi unyi na she osa Miti mi akoma she osa Miti mi unyi na she osa Mini mi se Yesu Kristo Ofre sara saraba Obeji mi kwa Yesu ya wanwanju mama mi J'ai besoin de ta présence, tout le monde. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ton amour. Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence. Car nous vivons dans ce monde tant de troubles. Nous vivons dans ce monde tant de souffrances. Nous vivons dans ce monde tant de crises. Sans ta présence, mon Dieu, oui en nous. Je t'en supplie, parle à mon âme. A-t-il l'éternel Dieu? A-t-il l'éternel Dieu? A-t-il l'éternel Dieu? Vous serez toujours à la tête et non jamais. Chante avec moi. Toujours à la tête et non jamais à la queue. Toujours à la tête et non. Moi je serai dans ma famille, dans mon quartier et dans mon entourage et dans mon pays. Toujours à la tête. Il n'aura jamais mon semblable. Les gens parleront de mon Seigneur. Je marquerai ma génération. Je marquerai mon histoire. Car les autres dieux sont morts. Les autres dieux sont morts. Ils sont restés dans le tombeau. Le marabout du quartier est mort. Il est resté dans son tombeau. Le Bouddha, lui, il est mort. Il est resté dans son tombeau. Mais le Dieu que moi j'adore, il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Jésus est ressuscité. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.
le membre au hôpital Hôtel Ivoire à partir de 19h entre 50 000 Français FA le lendemain au stade de l'université. Le 20 novembre à partir de 16h, 2000 Français FA seulement. Nestor David, 20 ans de carrière, 20 ans d'histoire, 20 ans de ministère. Santé couvert en haut en bas. Bisous. Yes. 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 Yes.